J'ai l'impression que Robbie a ramené quelque chose dans la maison et... ça me rend dingue. Y'a quelqu'un ? Qui a fait ça? Allô? Remets plus jamais les pieds dans ma chambre! Il était fixé dans le faux plafond, apparemment. Papa, dis-lui aussi que j'ai vu l'autre se balancer. Quoi? Dis-lui que l'autre Luce se balançait. Et j'ai aussi... j'ai trois ou quatre autres Luces qui ont été installés par des gens de chez vous, alors... Il a failli tuer ma fille! Elle était... Non, je n'attends pas! Chut. Maman, je veux que vous Alex, ne marche pas sur le verre, ma maman, chérie. Il faut... Fais attention! Je crois pas que c'était un accident. Que tu racontes, non, mais en fait. J'ai l'impression que... Il faudrait maman, pas que les petits mais écoute-moi! J'ai l'impression que Robbie a ramené quelque chose dans la maison et... ça me rend dingue. Ma chérie, écoute, je comprends. J'arrête pas d'entendre des bruits. Moi aussi, ça m'aurait rendu folle de trouille si j'avais été dessous à ce moment-là. C'est le genre de choses qui n'arrivent jamais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est celui-là. Et j'aime pas non plus cela. Non, mais tout ça, ça a commencé à arriver quand Robbie s'est installé ici. Genre, quand je suis rentrée, le train électrique de Wyatt s'est mis à marcher tout seul. Et j'ai entendu des bruits. Alex, s'il te plaît, tu veux pas poser ce truc deux secondes? C'est vraiment pas... Il est 2h du matin et il y a plein de voitures devant chez Robbie. Je vais aller voir ce que c'est.
ces gens. Bonsoir, je peux faire quelque chose pour toi ? Pardon, je me suis trompée de maison.